نسخة عليكم، مرحبا بكم. دونك اليوم رايحين نديرو ان سابلي على كونفيتور. سي اون ريسيت بزاف سهله اي افيكاس 100%. دونك pour les ingrédients on aura besoin de 250 g de margarine, 250 g تاع الزبده تاع مارغارين، 1 كاملة، 1 œuf entier، 2 صفار تاع البيض، 2 جونز دوف، 2 vanille، 1 peu de sel، شوية تاع الملح، 1 رايحين نخلطو كلشي avec nos mains بيدينا. On va tout mélanger avec nos mains. Il faut bien incorporer le beurre, la margarine et les œufs. Et là, rajoutons 1 verre de sucre glace. Donc l'équivalent de 150 g de sucre glace. Rajoutons 4 cuillères de sucre naïm, l'équivalent de 150 g de sucre naïm. Cette caisse est à 200 ml. Un verre de 200 ml. Un sachet de levure chimique qui est une chimère chimique. Et pour la farine, on dirait chouïa, ça dépend. Donc pour la farine, on va mettre petit à petit, ça dépendra de la quantité qu'il faut. Donc on doit arrêter une fois que la pâte ne colle plus au mur. دونك رايحين نزيدو شوية، ما لازمش العجينة ديالنا تكون بزاف طرية ولا بزاف يابسة، تكون نورمال. Donc voilà la texture de la pâte. Voilà la gine de la. Donc, la gine de la gine de la gine de la
On va laisser reposer notre pâte une heure, une demi-heure, dépend de. Donc là, une fois notre pâte reposée, je vais prendre un sachet. Donc là, la djina dina rahi rtahat. Donc entre temps, on préchauffe le four à 200 degrés. Le four rah sha'al, nsekhnou à l'avance à 220 degrés. Donc pour l'emporte-pièce, c'est au choix. Vous pouvez utiliser la forme que vous voulez. Donc voilà mes sablés, ils sont bien cuits. Donc je les ai cuits à 170 degrés, 180. Donc là je vais étaler du sucre glace pour décorer. Si au choix vous pouvez décorer avec des cacahuètes ou lui c'est simple, c'est comme vous voulez. La décoration c'est au choix, cuisine artisanale. Donc là, on va utiliser de la confiture. Pour la confiture, j'ai utilisé de la confiture cerise. Donc, c'est au choix pour la confiture. Donc, là, je vais faire un mouraba. Je vais faire un mouraba à la phrase. Je vais faire un autre ahbito. Voilà. Donc, voilà, nous sablés. Moi, j'ai mis de la confiture pour certains de mes biscuits. Le reste, je vais le garder comme ça, sans confiture, pour le conserver plus longtemps. C'est encore mieux. Voilà le gâteau. Zefnine, il est trop bon. Inch'Allah, la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Inch'Allah, je vous disais, c'est le wasfa. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à mettre un j'aime. Et à très bientôt.